2020年的世足赛吸引了全球足球迷到卡达观赛。有两名法国球迷三个月前就骑着单车从巴黎出发，经过了13国，总共7300公里的长途跋涉之后，抵达了卡达，进入球场帮法国队加油。而他们的壮举也引起了法国足协的注意，让他们获得和法国国脚见面的机会。 穿着球衣，带着国旗，这两队法国队的球迷骑着自行车要去看法国队的比赛。不过，他们的世界杯之旅早在三个月前就开始了。Avec mon ami Gabriel, on est parti le 20 août dernier du Stade de France à Paris avec nos vélos pour rallier Doha pour assister à la Coupe du Monde et soutenir l'équipe de France. Guten Tag. 他们沿途骑经德国、塞尔维亚、保加利亚、土耳其等国。 Faut s'arrêter parce qu'on a un truc à célébrer. C'est quoi? C'est les 4000km。但真正的挑战到了中东才开始。不止天气炎热难耐，鞋子进沙是常态，脚踏车在沙漠寸步难行，逼不得已只好下车用牵的，有时还得面对沙尘暴的威胁。Qu'on nous attend。幸好一路上有贵人相助，加上惊人的毅力跟体力，让他们成功征服13国共7300公里的旅程。Quand même se surpasser physiquement pour suivre son équipe, c'est vraiment impressionnant. 经过了7000多公里的锻炼，再怎么样的美白小腿都被操成了硬邦邦的棒棒腿。 他们的壮举也引起法国足协的注意，让他们获得跟国脚们相见欢的机会。 On a eu la chance incroyable le jour de notre arrivée à Doha de rencontrer l'équipe de France, voilà, grâce à la fédération. Mais d'un seul coup, on a réussi à switcher et maintenant c'est aller les bleus jusqu'au bout et nous on est super contents de participer à cette grande fête. 法国队已经2连胜晋级，这两位超级球迷3个多月的汗水没有白流。吴连哲编译。